So I was looking at the new Aurora, but then I was thinking, maybe I should get something that looks a little classy. Legendary fighter pilot Ari O'Reilly once said, "Give me a fully loaded Hornet, and I'll shake the gates of heaven." You know you've got 42 cubic meters to pack full of profit. We're talking pressurized and shock-resistant construction, so whatever you put in here comes out the same way. You got two Arc Duo 400 engines. Their award-winning colloid ion technology gives you maximum fuel efficiency while keeping your SIG low. Exiting Interspace. Location unknown. Everyone okay? I'm fine, sir. Did we get it? Jump point is charted, sir. Good. Comms, we got any contact? RSI's Aurora. There are many like it, but this one is yours. Tony Zerbeck, and I'm the director of Persistent Universe, and I'm just really excited to be working with so many bright individuals on such a groundbreaking project. Ips, they come by my desk and I do final polish on a lot of them. Some of them I've built completely, like the 300i. I'm Sean Tracy, I'm the engine technical director at Cloud Imperium Games. Absolutely the most interesting challenge is the scale. And I don't even just mean scale of production, I mean actual physical scale within the game is absolutely enormous. In typical MMOs, you tend to see a lot of very narrowly focused missions. Go here, do this, and they may string a number of those together. Matthew Boudier, producer. So I'm a producer for Star Citizen here at Behavior. I started back in February 2013. We are a team of 40. We do have programmers, designers, and artists working with us. We pick up the best talent, so this is I'm really proud of. Hi, I'm Brandon Evans, UI programmer on Star Citizen. Hi, I'm Darren Vorlich, part of the production team. My title is production coordinator on Star Citizen. Patrick Salerno, associate technical designer. My name is Stephen Kam. I'm paralegal here at CIG, and I'm responsible for, well, lots of assist work on legal issues, including contract review, license work, registrations, lots and lots of paperwork, contracts. It's a little like making a movie, so all the paperwork that you'd need to put together a movie, you see a lot of that here too. Welcome back to Foundry 42 in the UK. What we want to do today is give you guys a much more in-depth look in what we've been doing here over the last few months. So we're going to talk about the concept phase of a lot of the stuff we're doing and how that's going to work in the game. Okay, here we go, guys. Quiet, please. This is X-ray 015 Alpha Take 1. And action. I had a chance to sit down with Brian Brewer, Daniel Craig, and Chris Olivia after they and several other members of the Cloud Imperium team wrapped on our first ever full performance capture shoot. Thank you.
thing that excites me most about Squadron 42 is the chance to create a cinematic and immersive playing experience that hasn't been seen before. My name is Martin Galloway. I'm the audio director on Star Citizen. Now, we just finished the first of our orchestral recording sessions, and of course, that's to satisfy the stretch goal that we reached back in November of 2012. And it was actually quite a surprise for us back in those days, because we just set that as some far off achievement goal. You know, orchestral session, you know, we'll never have that, but maybe off in the future. Découvert en 2861 par un explorateur amateur du nom d'Errol Nevis, le système OZO, auquel il donna le nom de sa fille, comprend 6 planètes en orbite d'une étoile blanche de type F. Le système Hadès a reçu son nom de quelqu'un qui avait le sens de l'humour. Le nom s'apparente aux ruines d'une ancienne civilisation qui a complètement disparu. Les historiens ont établi une théorie qui indique que cette race se serait éteinte à la suite d'une guerre civile. 3 des 4 planètes ont littéralement été dévastées par des bombes et armes qui n'ont jusque-là encore jamais été développées par l'humanité. Après la Terre, Terra. Alors, petit mobiglas, Nia. Affirmatif. Message à SPN, je te prie. Affirmatif. Bonjour à tous, ici Atrilian Das. Je me trouve actuellement sur Terra, et je pense que je vais rendre jaloux tous ceux qui n'y sont encore jamais allés. C'est bien simple, lorsque vous franchirez l'atmosphère et que vous atteindrez la ville capitale de Prime, vous comprendrez pourquoi. Le panorama de Terra est la raison pour laquelle les humains ont créé l'art. Bonjour citoyens, bienvenue sur l'encyclopédie galactique de l'Arche. Veuillez entrer votre recherche. Votre recherche a été enregistrée, veuillez patienter. Salutations citoyens, saisis des paramètres de recherche. Bonjour citoyens, bienvenue dans l'encyclopédie galactique de l'Arche. Votre recherche a été enregistrée. Veuillez patienter. Anvil Aerospace est l'une des toutes premières grandes réussites Terran. Créée en 2772, Anvil a prouvé sa fiabilité en étant capable de fournir des équipements militaires à l'UEE durant près de 2 siècles. Hurston Dynamics est, de tout l'UE, le principal fabricant et distributeur de lasers à cascade quantique, ainsi que de tout un assortiment de canons à électrons. Système Tiber. Le guide du voyageur de Tiber pourrait simplement se résumer à « n'y allez pas ». Ou plutôt,
n'y allait pas. Étant le site d'innombrables batailles entre l'homme et les Vandul, Tiber est une véritable plaie ouverte dans la carte galactique humaine. Tiber fut cartographié par des explorateurs de l'espace profond de l'UEE en 2474 avant d'être très vite classé sans intérêt stratégique du fait de son manque de ressources exploitables, qu'elles soient scientifiques ou minérales. Bien, mesdames et messieurs, prenez place confortablement dans vos fauteuils et ouvrez grand vos esgourdes. Aujourd'hui, on s'intéresse au fonctionnement des serveurs de Star Citizen, ce qui, pour être plus précis, comprend Galaxy Server, Instance Dynamique, Instance tout court et Gris Physique. Vous l'aurez peut-être remarqué au détour d'une lecture, CIG a fait un gros travail d'adaptation sur le CryEngine pour le rendre utilisable à leur souhait. L'une de ces modifications concerne le passage du moteur du 32 bits initial au 64 bits dont on a tant entendu parler. Aujourd'hui, je vous propose d'essayer de comprendre ce que ça veut dire et ce que ça change concrètement. Une fin. Oui, mais ici, la fin, c'est la meilleure chose.